Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu. Vous allez voir, c'est un petit jeu de réflexion. Il faut libérer un petit robot. Pour cela, je vous laisse ouvrir le Play Store. Dans la barre de recherche, on va rechercher Mecorama. Et je fais la petite loupe en bas à droite. Donc, il m'a trouvé directement le petit jeu installé. Je peux cliquer sur Installer. Mon jeu est installé. Je peux maintenant cliquer sur Ouvrir. Vous avez 50 cartes à débloquer et dès que vous réussissez une carte, ça vous en débloquera d'autres. Donc je vais cliquer sur le premier niveau. Et pour lancer le jeu, je fais la petite flèche lecture en bas. Ce premier niveau est un niveau de présentation. Donc vous avez ce petit robot et en fait, il faut le déplacer sur l'élément qui vous est présenté pour pouvoir le libérer. Donc, il vous suffit de cliquer à l'endroit où vous voulez que le petit robot aille. Celui-ci va prendre le chemin qui lui permet d'y accéder. Vous pouvez tourner l'élément pour voir quel est le chemin que vous devez faire suivre au petit robot. Donc là, il vous indique que quand vous avez des petits carrés avec des ronds comme ça, ce sont des éléments que vous pouvez déplacer. D'ailleurs, vous voyez en dessous, vous avez l'axe de déplacement de ce petit carré. Donc, je clique dessus, je reste appuyé et je le fais glisser. Maintenant, je peux cliquer dessus pour que mon petit robot aille à cet endroit-là. Je réavance ce petit carré. Je tourne et je vais cliquer sur le point rond qui correspond à la sortie pour permettre à mon petit robot de sortir. J'ai terminé le premier niveau. J'ai des cartes qui se libèrent. Je peux cliquer sur le suivant. Lecture. Et je peux faire avancer mon petit robot. Donc moi, je vous conseille de tourner pour voir à quoi ça correspond. Donc là, je vais le faire avancer ici pour qu'il puisse prendre la porte. Je vais le faire monter à l'étage. Si je veux le faire aller à un niveau où il ne peut pas, si je clique, vous avez une croix rouge. C'est que le mouvement est impossible. Donc là, je remarque un petit carré avec un rond. Je clique dessus. Je le fais monter d'un niveau. Je lui fais prendre l'entrée. Encore un petit carré avec un rond. Je le fais monter et je clique sur le rond rouge. J'ai terminé mon niveau. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux, des difficultés vont apparaître. Nous en avons terminé sur ce jeu. Bon amusement avec. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.